même pas peur. Jacques vient de se coucher. Mais qui frappe à sa fenêtre de la sorte? Une sorcière? Un loup? Un ogre? Tous cherchent un refuge pour la nuit. Tous connaissent de très bonnes histoires qui n'empêchent pas trop de dormir. Mais quand des pas se font entendre dans le couloir, Même pas peur, de Christine Davenier aux éditions Kaléidoscope. Jacques vient de se coucher lorsqu'il entend frapper à sa fenêtre. Est-ce que je peux entrer, s'il te plaît? On me chasse de partout. Personne ne veut de moi. Est-ce que je peux dormir avec toi? Je te raconterai la plus terrifiante, la plus chapeau noir et nécrochue de toutes les histoires de vieilles sorcières jamais entendues. Oh oui, s'écrie Jacques. Même pas peur, dit Jacques à la fin de l'histoire, et il repose sa tête sur son oreiller. Mais tout à coup, est-ce que je peux entrer, s'il te plaît? Je rôde depuis des heures. Personne ne veut de moi. Est-ce que je peux dormir avec toi? Je te raconterai la plus effroyable, la plus dent aiguë et griffe crochue de toutes les histoires de grands méchants loups jamais entendues. Mouais, marmonne Jacques. Même pas peur, dit Jacques à la fin de l'histoire, et il repose sa tête sur son oreiller. Mais tout à coup, est-ce que je peux entrer, s'il te plaît? Les gens fuient dès qu'ils me voient. Je me sens très seule. Est-ce que je peux dormir avec toi? Je te raconterai la plus vorace, la plus estomac vide et ventre affamé de toutes les histoires d'ogres jamais entendues. Be, bredouille Jacques. Même pas peur, dit Jacques à la fin de l'histoire, et il repose sa tête sur son oreiller. Tout à coup, Jacques entend un bruit qui vient de l'intérieur de la maison. Un bruit qui se rapproche. Il est là, derrière la porte de sa chambre. Tip-tap, tip-tap, chuiiip. Maman, je savais bien que c'était toi. Évidemment. Qui voulais-tu que ce soit d'autre? Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, maman. Dis, tu n'oublies pas de laisser la veilleuse allumée avant de fermer la porte? Fin.